Les chercheurs du pôle de compétitivité Moveo rivalisent de créativité pour améliorer nos déplacements. Soutenue par le conseil départemental, l'entreprise saint-germinoise Nexiad a par exemple développé l'application Safety Next pour renforcer la sécurité routière. Danger succession de virages. Il vous envoie une alerte vocale quand, un tout petit peu avant, vous arriviez dans une zone dangereuse, dès que votre vitesse ou votre façon de conduire n'est pas adaptée à cette zone dangereuse. Danger virage ralentir. Si vous roulez comme un dingue sur un aéroport désaffecté par exemple, à part faire un tonneau, le risque est faible. Mais si vous faites exactement la même conduite devant une école, vous êtes vraiment en danger et un danger. Donc le fait, c'est de regarder l'adéquation de votre conduite à la difficulté et au danger de l'infrastructure. Ça représente 75% des accidents en France. Et grâce à SafetyNext, on peut éviter 20% des accidents de la route. Le véhicule de demain s'annonce prometteur, plus sécurisé, électrique et partagé. Récompensée par un Imagine Mobility Award, la société Ecov propose un service de covoiturage novateur qu'elle teste actuellement dans les Yvelines. Ça fonctionne avec des stations de covoiturage connectées, un peu comme un arrêt de bus. Le passager va à la station de covoiturage, il fait sa demande de covoiturage, on lui indique un temps d'attente, on lui donne un ticket correspondant à son trajet. Et la demande de covoiturage est transmise par Internet sur des panneaux lumineux qui sont en bord de voirie, qui permettent d'informer tous les conducteurs qui passent à cet endroit-là. Et par ailleurs, comme c'est envoyé sur Internet, on peut aussi l'envoyer sur l'application smartphone du service. Donc vous voyez le partenariat entre Moveo et notre département des Yvelines est historique. À l'occasion du forum Imagine Mobility, le conseil départemental a rappelé son soutien au secteur automobile et au développement des mobilités innovantes. Vous savez que le département des Yvelines est historiquement le département de l'automobile en France et nous avons une avance considérable. Nous avons la particularité d'avoir sur notre territoire toute la chaîne depuis la production avec les usines de la Vallée de Seine jusqu'à la R&D qui est située plutôt autour de Versailles Grand Parc et de Saint-Quentin en Yvelines. Et l'enjeu pour nous, c'est que ça demeure ainsi, c'est-à-dire que l'automobile ne fasse pas seulement partie de l'histoire des Yvelines mais fasse aussi partie de l'avenir des Yvelines.